Vous aviez déjà entendu parler de cette pièce secrète du CDI? Quelle chance d'y avoir accès pour les recherches sur nos devoirs. Ici, c'est les années 80. Pour ceux qui ont choisi la décennie 70, c'est par là. Mais c'est la cabane d'Ali Baba, cet endroit. C'est comme si on partait en voyage. Voyage plus loin que la nuit et le jour. Dans l'espace inouï de l'amour. Non mais sans déconner, c'est de la dynamite. On dirait du carbure à l'aumône matine. Moi, c'est la ouate que je préfère. Bah ouais, Caroline. Un bon idouillé, voilà ce qu'il nous faut pour récupérer. Mais confidence pour confidence, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas embarqué sur le bateau de la croisière s'amuse, ni dans le cockpit du Maverick. Maverick, c'est qui celui-là? Bah Top Gun, take my breath away. Oh yeah, yeah, yeah. Mais au fait, on n'aurait pas vu Maxime. T'es pas au courant? Il a une distance aujourd'hui. Il est venu, Max, Maverick, qui ont joué. Quoi? Tu dis qu'il est venu, Max? Rien que ça, mais c'est vrai, il met de la magie mine de rien dans son trip. Il va pouvoir avancer ses recherches pour l'exposer. D'ailleurs, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de votre côté, mais moi, plus je me renseigne, plus je suis perdue. Parfois, je ne comprends même pas mes parents. Enfin, encore moins 15 ans, je veux dire. Mais pareil, j'ai la même sensation étrange que nous, on n'est pas sur la même planète, mes parents et moi. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. J'ai l'impression qu'ils viennent de la préhistoire. Oui, 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 la préhistoire des jeux vidéo. Ils pouvaient passer des heures à jouer à Pac-Man en poursuivant des fantômes dans un labyrinthe. Quand c'était pas ça, c'était Pong. À les entendre, c'était la grande époque. J'ai parfois du mal à croire ce qu'ils racontent. Tiens, pas plus tard qu'hier, ils m'ont raconté qu'ils fumaient dans les trains, dans les avions et même dans les wagons-restaurants. Et moi, la semaine dernière, quand je me préparais le matin pour venir au collège, mon père, mort de rire, me voyant mettre mon casque sur la tête. Et le voilà parti dans un discours interminable, disant que lui, il avait roulé sans casque sur sa 103 et ma mère à deux sur un chapitre. J'ai pas très bien compris. Qu'il avait roulé sans ceinture dans une voiture avec des sèches en jean et des fards jaunes, et même qu'il avait bronzé sans protection. Je l'ai laissé dans son délire, j'allais être en retard en techno. Ah mais oui, mais il faisait le MT, ils avaient Sciences Nat. Ils ont même passé leur bec et un bec qui n'existe même plus. Ils ont écouté les faces A et B sur leur Walkman embobiné avec un crayon à papier. Et ils ont bu du magnifique coco. Et nous, on a du gel protéique, matin, midi et soir. Et c'est tous les jours le Balmas qui est OEO. Ils se sont aspergés de Opao et Dimples, mais personne ne lui a offert de faire à l'eau. Puis on a l'air. Puis elle a renchéri qu'elle a mangé des frites et des rigueurs pour se consommer avec ses copains. Elle portait toutes des jumelles, des sacuettes, des épaulettes, des ornithos, des pieds autour de leur petite fureur. J'ai appris des trucs dingues. Ils ont connu Michael Jackson noir, Madonna jeune, il parle même de Yannick Noah, soi-disant le champion, le chanteur qui aurait pu gagner la coupe à Roland Garros. J'ai découvert qu'ils ont lancé des togo, des lambadas et même des slows en discothèque. Des quoi? Et les booms avec Jake et Penelope. Dreams, Armaries, Haiti. Ils ont roulé à 180 sur l'autoroute. On fait des chèques en francs. On tapait des numéros de téléphone à 7 chiffres qu'ils connaissent par cœur. Et ils ont fait des recherches en montagne. Redis-le. J'ai une idée. Pour qu'ils nous construisent une fusée avec 3 bics, un tac crayon et 3 chewing-gums. Non, il vaut mieux appeler l'USAV. SAV, bonjour! Si vous avez une fuite de Tipex, d'encre, mettez le bouchon. Si vous appelez pour une réponse de maths, trop tard, il fallait apprendre. Si votre problème concerne la vie scolaire, tapez stop retard par SMS au 3640, 24 euros la minute. Pour toute autre demande, faites étoile. Sur le clavier. Veuillez patienter, votre demande a été prise en compte. Vous allez être mis en relation avec un technicien du SAV. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Veuillez patienter, votre demande a été prise en compte. Vous allez être mis en relation avec un technicien du SAV. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
Ah oui, j'avais oublié. Oh, on n'a pas que ça à faire. Un appel pour nous. SAV à votre service. Vous êtes berné dans les années 80, ça fait 10 minutes qu'on essaie de vous joindre. Calmez-vous, calmez-vous. Et si vous en veniez au fait? Toutes nos tablettes sont tombées subitement en panne et le Minitel nous envoie des messages étranges. Les techniciens sont en route. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici, nous voilà, abracadabra, abracadabou, tournicoti, tournicoton. L'équipe est là. Gants. Clé 12. Compresseur perfo. Perfo. Latteur. Ventouse. Fer à lisser. Pchit-pchit. Pchit-pchit orange ou pchit-pchit citron? Le bleu. Ah oui, le bleu. Alors, c'est grave. Ça devient très très grave. Check avant essai. Pression. 20 bars. J'ai trouvé. Nous devons synchroniser les tablettes au Minitel. Mais cela risque de créer un court-circuit dans l'espace-temps et de nous projeter dans un monde parallèle. Oh. Redémarrage, on tente. Ok. 5. 4. 3. 2. 1.
un lapin blanc et bleu avec une montre. Il faut à tout prix que je le retrouve. Vous pouvez m'aider? Vous n'avez pas vu un lapin? Vous avez vu comment l'habiller? Vous êtes une fleur? Nous ne parlons que fleurs. Sérieusement, vous avez vu comment l'habiller? Vous êtes une fleur? On ne parle que fleurs. Oh! Des fleurs! Je vais créer un joli bouquet pour ma maman. Parallèle. De droite, pas. De droite, il ne se touche jamais. Et bien, toi, je crois qu'elle a jeté le pistolet. Alors...
l'aide, madame Bananana Moche. Vous avez perdu quelque chose? Non, je vais poser seulement une question. Mais vous êtes un chat. Oui, un chapeau, un chapiteau, un chamallow, un chamois d'or, un chatouille, un chapeau. Attendez, ne craignez rien. Troisième couplet. My hat, it a succoneur as my hat. And hat, it not succoneur, it shouldn't be my hat. Non, je vous remercie. Je dois savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance. Bah si, quand même un peu. Inutile de vous tourmenter, un chemin vaut l'autre. À savoir, c'est par là qu'il est passé. Qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Ben, qu'il est allé par là. Qui donc? Eh bien, le lapin. Quel lapin? Mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh, mais c'est agaçant. Cependant, si moi je cherchais un mignon petit lapin, j'interrogerais le chapelier Toquet. Le chapelier Toquet? Toquet? Merci, je vais aller voir le lièvre. Ah, naturellement, il est fou lui aussi. Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement. Mais le résultat sera très aléatoire. Le système est instable. Le système est très instable. Et le résultat sera très aléatoire. Attention pour le grand jeu des mondes parallèles. Sur quoi est-ce que ça va tomber? La préhistoire. La préhistoire. Ouais.